Salut les amis. Bon, petite partie de pêche avec mon fils. Bon, ça sera le dernier chapitre avec ces bouillettes là, dernière partie, partie 4. Alors, on est sur un autre poste. J'ai fait un mini ALT. T'as vu la canne a bougé? Et j'ai fait un mini ALT. Ben voilà. Retends le fil, retends le fil. Bon, on vient d'avoir une tirette. On a juste tendu les cannes. Bon, laisse faire, laisse faire. Alors du coup, ouais, je disais, on a fait un mini ALT là pendant 3-4 jours. On est venu balancer quelques billes avec mon fils. Puis bah, des fois je suis venu tout seul. On est revenu une dernière fois refaire un petit amorçage ce matin. 10-15 billes sur le poste et voilà, toujours à la bouillette maïs crunch tiger chez une chaîne vigrier. Donc là ça sera la dernière partie avec ces bouillettes là et pour info j'aurai pas le temps d'aller à la pêche là dernièrement parce qu'il faut que je prépare mes affaires. Donc j'ai un petit enduro entre amis, on a loué l'étang des Iris à plusieurs et on se fait un petit concours là-bas. Donc pour finir de tester ces bouillettes, ben, j'ai décidé de partir là-bas avec ça. Donc à cette partie de pêche, je pêcherai à la maïs crunch tiger chez le vigrier. Voilà. Donc voilà, on a décidé, je serai avec mon fils en équipe. Hein. Donc on a décidé de pêcher avec celle-là, comme ça, ça permettra de la tester en privé aussi. Voilà, voilà. Donc vu qu'on n'y va jamais pour gagner, quand on va, on fait des petits enduros comme ça, c'est surtout pour passer un bon moment. Donc pourquoi pas tester cette bille en même temps. Continuer à tester cette bille, voilà. Donc, on est toujours en petite rivière dans la Sèvre nantaise, sauf qu'on s'est décalé. Alors, on est revenu... sur le poste où j'ai fait les 3 plus 10. J'avais dit que j'osais pas y aller parce qu'il y avait du foin. Mais en fait, on est quand même venu, sauf que on n'a pas traversé le champ, quoi. On a fait ça intelligemment. On a longé la berge et puis au bord de l'eau et puis pour venir jusqu'au poste, pour pas piétiner en plein milieu du champ. Et puis là, on est vraiment au bord de la rivière, caché derrière une bouillée d'herbe. Pas que le poisson nous voie de trop. Il faut savoir que en Sèvre, il faut quand même faire le moins de bruit possible et essayer de se cacher au maximum. Donc voilà. Bon là on vient d'avoir une tirée, ça c'est plutôt bon signe. C'est peut-être une brème. Ouais. C'est peut-être une brème. On sait jamais. Enfin bon, on verra bien. Je pense qu'il y a du poisson parce que ça bougeait pas mal quand on est arrivé quand même. Donc on a espoir de faire un fish et de vous filmer un départ en direct. Bon, je vais vous faire voir vite fait où sont tendues les cannes. Avant, je voudrais faire une petite dédicace. Putain, j'allais encore oublier, nom de Dieu. Kevin! J'allais encore oublier. Au petit Kevin Carpis, là. Le nom de sa chaîne, c'est... je ne sais plus. Attendez que je cherche sur mon portable. Le nom de sa chaîne. Ta 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 ta. Le mieux c'est de faire comme ça. Ah oui. Team Agressif Carp. Le petit Kevin. Alors, l'autre jour il a été faire une petite pêche à la canne. Au cou, pêcher la carpe au cou et il a sorti une carpe de, que je vous dis pas de conneries. Hein. Je suis pas là pour dire des conneries. Hein. Jamais.
Sauf quand j'ai envie de faire une petite blague, des fois ça peut arriver. Alors le carpe Kevin. Et là il a la pêche, il vient de faire un poisson. Il faut que je retrouve le poisson évidemment. Ah oui, une carpe de 22,5 kg à la canne au cou. Bravo mon petit Kevin. Voilà. Alors voilà le poisson. Bon voilà. Bon, je ne vous embête pas plus longtemps. On va essayer de filmer un départ en direct. Et pensez à vous abonner à Team Agressive Carpe. Bon, il débute, hein, il est comme moi. Mais... Voilà, voilà. Donc je vais vous faire voir où sont tendues les cannes tout de suite. Les montages, toujours les mêmes. Donc montage inline avec en rivière, c'est fluorocarbone combiné tresse, comme d'habitude. Avec bouillette qui tient avec le fil dentaire, là. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais voir ça tout de suite. Bon voilà les amis, vous avez entendu les cannes, hein, c'est un peu ce que j'ai déjà pêché, là où j'avais fait la dernière pêche rapide, que j'avais fait mes 3 poissons de plus de 10 kg avec les fameuses bouillettes carnées, là, calamar krill. Donc là on est venu tester avec cette petite bouillette, maïs crunch, tiger chenille grillée. Bon, pour l'instant ça a l'air bien parti, une petite tirette. On va essayer de filmer un départ en direct et un poisson. Parce que le départ en direct, bon, des fois c'est pas sympa à les avoir, mais le tout c'est que le poisson arrive sur la berge. Ça, des fois c'est plus compliqué. Surtout là, c'est assez sale. On a un arbre immergé qu'on voit pas là, à notre gauche. Donc faut pas que ça parte par là parce que sinon, ouïouïouï, il va y avoir frottement. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Je mets le caméscope sur les cannes, en direction des cannes, en espérant avoir une touche. Allez, à tout de suite. Bon les amis, il y a bel et bien du poisson sur le cou, ça tape dans les fils. Des grosses fouilles sur ma gauche. Là, ça se pique pas, donc ça doit taper dans les fils. Je pense que ça va dérouler avant ce soir. Par contre, il y a un sacré paquet de grenouilles là-dedans. Là. Hein, t'as vu ça, c'est horrible. Il y a plein de grenouilles, on les entend geler là, à ras nos pieds, là, depuis tout à l'heure. Vous savez pourquoi elles ont le cul dans l'eau, les grenouilles? C'est pour avoir la rainette. Allez, je vous reprends avec un départ en direct, j'espère. Bon les amis, pas de bol,
J'ai tendu une canne derrière moi parce que vous voyez que ça brassait avec mon gamin. J'avais pas prévu que c'était aussi sale que ça. On vient d'avoir un départ. J'ai tout laissé dedans. Bon, on va remonter la canne et je vais la ranger dans le fourreau. Parce que c'est très sale. Hein, on va éviter de pêcher là-dedans. Je comprends pourquoi elles sont là. Allez, on essaye de filmer un départ. Ah putain! Oh regarde leur roue, regarde les bulles! Oh putain! Bon, décidément, on n'a pas de bol. J'aime pas les départs lents comme ça. J'ai ferré dans le vide. Alors, on a bien vu que c'était pas une brème, parce que vu le remous que ça a fait, c'était énorme. Alors, j'ai un doute que ce soit un silure, je sais pas. Depuis tout à l'heure, ça tape dans les fils. On croit que c'est de la brème, mais non, c'est pas de la brème, c'est du poisson qui tape dans la tresse. Et ce départ lent, là, je sais pas du tout ce que c'était. J'ai rien senti au ferrage. Alors tout à l'heure, sur la canne de derrière, je me suis fait avoir. J'ai une touche à revenir, remarque, ça m'étonne pas qu'elle a fait une touche à revenir. Vu l'arbre qu'il y a dans l'eau, en dessous l'eau, que j'avais pas vu. Donc forcément, j'étais tendu après. Elle savait où elle allait. Bon, on va essayer d'en prendre une. On sait pas qu'on a pas eu de touche aujourd'hui. Mais ça vient encore de brasser à côté. Là, on avait mis une canne derrière parce qu'il y a pas mal de... On a vu deux ou trois gros poissons en mars spinel. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que j'avais tendu après une saloperie. Donc forcément, tout est resté dedans, la tête de ligne, le montage. Bon, allez, on va essayer de prendre un poisson quand même. A tout de suite. Maintenant, c'est la canne de derrière qui s'amuse à tirer dessus. Et on a eu que des bips comme ça de l'après-midi. Bon, j'espère que ça va s'arranger un peu. Sérieux là? Eh, regarde, il y a de le remous encore. Non mais ça se pique pas. Bon les amis, j'ai la poisse. Je crois que c'est une journée de poisse aujourd'hui. On n'arrive pas à piquer un poisson. Et puis en plus de ça, on disait que ça bougeait tout à l'heure dans les herbes. C'est normal. Elles sont en train de frayer. Elle commence à frayer, donc ça m'étonne pas parce qu'il fait très lourd cet après-midi. Il fait je sais pas combien de degrés. Puis, vu que c'est en petit eau là-bas dans les herbiers, on voit plein de remous. Je pense que le poisson passe, mais il tape dans les billes, mais il se nourrit pas bien. Là, j'ai encore pris contact avec le poisson, j'ai vu un gros remous, mais pas piqué. Donc, je pense que c'est de la carpe. Mais elle n'a pas envie de mordre. Ou alors, elle engame très mal les bouillettes. C'est la première fois que je vois ça.
On perd pas espoir, hein, il nous en reste une dizaine. On va insister encore un peu et puis... Oh là là, ça fraye de partout là-bas. Je vais essayer de vous filmer ça, mais chaque fois que j'essaie de filmer, ça s'arrête. Bon voilà. Donc on est en pleine période de frais. Elles ont commencé à frayer dû à la chaleur. Bon, ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est ma dernière partie de pêche. Il faut que je prépare pour ma petite session, mon petit concours. Donc, vu que j'irai pas à la pêche. Eh bien, c'est impeccable. Allez, je vous reprends plus tard. Bon les amis, les cannes sont rangées, on va rentrer chez nous, on a, de toute façon, dès qu'on avait des bips, on amorçait, mais pour rien, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr qu'elle mange. C'est bien de la carpe qui était sur le poste, mais vu qu'elle sent pleine fraye, ben, à passer, à taper dans les fils, et puis voilà. Quoi. Donc, chapitre 4, compilation de fausses touches. C'est tout ce qu'on aura vu, des fausses alertes, de quoi faire monter de l'adrénaline pour rien. Donc voilà. Ouais, avec mon fils qui a son petit cœur fragile, qui dit là. Oui, une araignée. Bon, c'est pas grave, on a bien rigolé. Mon fils a le nez éclaté parce qu'il a le rhume des foins, on est en plein milieu des fleurs. Non, c'est pas vrai. Oh putain, la tête qu'il a. Donc on s'arrache de là et on reviendra quand elles auront fini de frayer. Donc après cette vidéo, je vais mettre le petite session de 72 heures avec Jérémy avant de tourner notre vidéo à l'étang désiré pour le petit enduro là qu'on a prévu tous ensemble entre amis. Donc voilà. Donc après cette vidéo là, ben, vous aurez un petit 72 heures qu'on a tapé avec Jérémy en période compliquée, période de frais aussi. Voilà, voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Bon visionnage pour la prochaine vidéo, parce que celle-là c'est déjà fait. Je suis con. Hein. Bon allez, ciao, bye bye les amis. À bientôt. Tell me that you love me.